Entre vous et nous, c'est une histoire de confiance et de complicité, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus. Ouverture ce matin au centre de formation Bethel de Bakara d'un atelier de formation à l'intention des forces de défense et de sécurité en matière de respect des droits de l'homme en période électorale. C'est le directeur général du ministère de la Justice chargé des droits humains, Madi Tongar Tahougra, qui a présidé les travaux. Vers la réforme de la gestion des investissements publics, le ministère des Finances et du Budget et l'Union européenne s'y attellent. Depuis ce matin, ces deux institutions organisent une rencontre de réflexion sur cette question, la gestion des investissements publics, bien sûr. Objectif présenté aux responsables des ministères sectoriels, les nouveaux cadre de gestion des investissements publics, fruit de la volonté de plus haute autorité du pays à promouvoir la bonne gouvernance. Président, les travaux, le directeur général du ministère des Finances, Bidjere Bindjaka, précise que le gouvernement a entrepris depuis 2005 un vaste plan de réforme dans le domaine de la gestion des finances publiques. L'Union européenne réitère son engagement à accompagner cette politique pour l'intérêt de la nation tchadienne. Le coronavirus, on en parle encore. L'ennemi invisible, comme vous le savez, s'en est pris à tous les secteurs de la vie. Le transport aérien n'y est pas épargné. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar a convié hier dans un hôtel de la place les journalistes pour échanger sur l'impact de cette pandémie sur le transport aérien. Le représentant résident de la SEGNA au Tchad, Brahim Guihini Dadi, a dévoilé les stratégies adoptées par son institution pour limiter la propagation de la maladie. Le respect des mesures barrières reste le seul moyen facile pour vaincre le virus. Une bonne nouvelle au bas de ces flashs, bientôt une faculté de médecine à l'université Roi Faisal. Pour concrétiser ce projet, une délégation de l'université d'Al-Azhar Sherif séjourne depuis quelques jours dans la capitale tchadienne pour appuyer l'université Roi Faisal dans la création de la faculté de médecine. Ce matin, la délégation a visité les salles des cours et amphis de cette université. Pour le chef de mission, le professeur Mohamed Sidir Hassan Abdennabi, la faculté de médecine verra les jours dès la rentrée académique 2021-2022. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je serai là encore demain chez vous quand il fera. Restez sur Télé-Tchad, la télévision, c'est chez vous.